Oui, salut à tous. J'espère que vous allez très bien. Soyez le bienvenu dans notre chaîne. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que ça ne va pas avec tes cheveux? Ah oui, calme, calme. Je vais vous dire pourquoi. Donc, c'est comme ça. Regardez. Ah oui, je l'ai fait comme ça parce que je vais aller faire les tresses. Donc, je vais aller chez une personne que j'aime beaucoup, qui aime beaucoup me faire les tresses. Donc, vous allez aussi m'accompagner. Vous le savez déjà, je pense que j'avais déjà fait une vidéo avec elle une fois ici dans notre canal. Donc, vous allez m'accompagner aussi, vous allez savoir. Mais j'espère que vous allez très très bien. Donc, soyez les bienvenus dans notre chaîne G28 avec ce genre de cheveux ici. Je sais pas. Un garçon, oui. Moi, j'aime les cheveux. J'aime beaucoup les cheveux. C'est parce que vous allez le voir comme ça. Tout, je sais pas comment. Bon, c'est mes cheveux. Hein. En fait, c'est ça. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, moi je me présente, je suis Joël et vous êtes dans notre chaîne. Aujourd'hui, je suis à la maison parce que je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. Vous allez me demander pourquoi tu travailles à la maison. J'avais fait aussi une vidéo en parlant de ma routine. J'espère que vous avez vu ça. Vous avez vu ça. Donc, je suis à la maison de travail parce qu'aujourd'hui, il faisait tellement froid que je n'ai pas pu sortir de la maison. Je me suis dit non, 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 je vais pas mourir avec ce froid ici. Donc, je vais rester ici à la maison. Je vais travailler à la maison. J'ai appelé mon chef. Comment je vais travailler à la maison? Comme j'ai tous les outils complets que je peux travailler aussi à partir de la maison. Donc, c'est là, je travaille à la maison. Regardez. C'est à ce moment ici, donc, je n'ai pas vraiment assez de travail. Je vais vous montrer aussi quelque chose. Ce que je suis en train de manger ici. Ah oui. Ça c'est, je sais pas, on appelle ça comment, le spaghetti avec je sais pas, avec les, je sais pas dire ça en français, mais je connais ça seulement en portugais. Donc c'est ça que je mange. Pourquoi je mange en travaillant? Parce que mon travail que j'ai fait, je n'ai pas de pause. Je n'ai pas de pause. Je travaille 8 heures complètes, pas de pause. Alors si je suis à la maison, j'ai un peu le temps de manger lorsque je suis à la maison. Mais si je suis là-bas à l'entreprise, donc, c'est compliqué. Voilà les gars, maintenant là, j'ai terminé mon travail. Donc, j'ai terminé vers 15h30. Non, c'était vers 15h10 que j'ai terminé. Je me suis préparé directement, sorti pour continuer toujours à faire ce que j'avais à faire. Alors, je suis ici dans le garage. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez voir. Regardez. Ici, voilà mon fils, il est là. Donc, et voilà, ici, je suis au centre de Lisbonne. Je peux vous montrer. On appelle c'est Martim Muniz. Il fait déjà noir, je pense. Oui, on appelle ça Martim Muniz. Donc, c'est le centre même de Lisbonne. Comme vous voyez là-bas. Donc, c'est le centre même de Lisbonne. Alors, moi, je vais partir là-bas. Je vais faire quelques achats dans un magasin africain. C'est un magasin africain, donc je vais faire quelques achats là-bas. Parce que il y a que les choses blanches qu'on mange toujours souvent à la maison. Alors. Et voilà, maintenant là, je suis dans ce magasin ici. Donc c'est à l'intérieur de là où je vous disais. Donc là, vous allez voir tout ici. Donc, vous voyez. Il y a beaucoup. Ici, c'est là où on voit des choses africaines. Donc, je ne peux pas faire la publicité parce qu'il ne m'a pas payé. Alors, pas moyen de faire la publicité. Si vous voulez savoir si c'est où, laissez-moi justement les commentaires. Donc, c'est ici que je vais faire mes achats. Parce que si je viens souvent faire les achats des choses africaines, vous savez, nos légumes africains, tout ça, donc là-bas, vous allez rencontrer. Alors, si vous allez savoir si c'est où, il faut justement me laisser le commentaire et puis je vais vous dire si c'est où. Oui, en fait, voilà ce que j'ai pu acheter, c'est ça. Il y a vraiment nos choses africaines qui sont vraiment là-dedans. Et voilà le résultat final. En fait, la personne ne voulait pas que je puisse la filmer.
Alors il m'a fait les tresses, la tresse, je sais pas comment on dit ça. Et voilà, regardez. Moi j'aime seulement comme ça, simple. Que maintenant là, je vais vous dire là où je suis. Donc je suis ici, je suis venu laver ma voiture. Ici ça fonctionne comment? Il y a deux places. C'est-à-dire, si vous voulez nettoyer votre voiture, vous amenez là où il y a des gens qui nettoient de voitures et vous voulez payer l'argent. C'est-à-dire, vous pouvez payer 20 à 30 euros. Alors, si vous ne voulez pas, vous-même, vous pouvez laver votre... Il suffit justement de venir dans ce lieu ici. Si vous venez ici, c'est-à-dire vous-même, vous allez faire votre lavage. Ici, ma voiture, voilà. Ici, vous voyez ça. Ça, c'est le tuyau ici, c'est pour nettoyer à l'intérieur de la voiture. Regardez. L'intérieur de la voiture, chez moi ici, c'est vraiment très sale. C'est vraiment très sale, vous voyez. Donc, j'amène aussi souvent ces liquides ici. Les liquides ici, j'aime beaucoup utiliser ça. C'est pour nettoyer ici, tous les endroits ici. Vous voyez comme c'est vraiment... Il y a du poussière, c'est pour nettoyer tous les endroits là-bas. J'aime utiliser ce liquide ici. Alors, après avoir nettoyé là-dedans, vous allez maintenant laisser ici. Comment ça fonctionne? Il suffit de faire entrer votre monnaie ici. Voilà. Et il y a les pièces de 50, de 1 euro, de 2 euros. Ça dépend de la minute. Lorsque je termine ici, c'est-à-dire je vais passer de l'autre côté là-bas. De l'autre côté, c'est par là où je vais... laver maintenant la voiture. Ici c'est justement pour nettoyer à l'intérieur et là-bas c'est justement pour nettoyer la voiture à l'extérieur. Alors de l'autre côté c'est automatique. Je vais vous montrer aussi. Ça c'est automatique, c'est-à-dire vous venez avec votre voiture, vous n'allez pas descendre de la voiture. Justement là-bas à l'entrée, la voiture va commencer à se diriger automatiquement et ces choses ici vont commencer à laver votre voiture automatiquement. Donc, sans descendre de la voiture. Alors, si vous ne voulez pas, mais ça se paye 10 euros. Maintenant, le moins cher, comme nous, on est des pauvres comme on dit, on lave celle et ça peut coûter 5 euros justement. Alors, je vais commencer à nettoyer à l'intérieur de la voiture. Ah oui, maintenant regardez comme c'est à l'intérieur. Comme avant, ce n'est plus comme c'était avant. Donc maintenant, je vais nettoyer ici avec le liquide que je vous avais dit là-bas. Rapidement au travail. Ça, c'est comme ça. Je vais mettre aussi le pièce ici. Et il faut que j'utilise toutes ces étapes. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes que je dois utiliser. Ça, c'est pour laver le punais. Et puis, c'est pré-lavage comme ça et là avec de l'eau chaude. Et puis, on va utiliser aussi le brosse qui est là. Donc, voilà, le brosse, ça est là-bas. On va utiliser ça. Et puis, ça, c'est pour le parfum, terminer tout ça. Donc, pour... La fin, c'est pour faire brûler la voiture. Maintenant à la maison, regardez ce que je viens à peine de
trouvé à la maison. Il n'est pas encore Noël, mais regardez ce que j'ai retrouvé à la maison. Ok. Donc la décoration déjà ici au Portugal c'est déjà commencé. Donc j'espère que on va fêter bien les Noël. Oh. Maintenant, il est temps pour regarder Netflix. N'oubliez pas de vous abonner et laisser votre commentaire. On se voit pour la prochaine vidéo. Bye!